Donc, salut à tous. Voilà, je vais faire cette petite vidéo vous montrer un peu comment fonctionne TVScore. Voilà, c'est très simple d'utilisation et vous-même vous allez voir. Ok, donc on va se connecter à mon compte. Voilà, on va se connecter à mon compte et voici un peu comment on change la monnaie. Voilà, je vais changer ma devise. Voilà, donc il est très important de changer la devise. Pour ceux qui veulent vraiment voir le truc en dollars, moi je préfère voir ça en dollars. Donc je change la devise en dollars. Voici un peu comment ça fonctionne. Donc on va se connecter à mon compte. Voilà. Aujourd'hui je vais vous montrer comment regarder les vidéos et comment faire son retrait. Ok, donc il faut toujours mettre en tête que le système est en avance sur de 3 heures. On est en Côte d'Ivoire ici, il est 10h30 et chez eux il est 13h30. Donc il y a un décalage horaire de 3 heures qu'il faut prendre en compte. Donc c'est un peu ça. Ce décalage horaire là, c'est. Voilà, c'est quand on dit 21h, donc il faut s'attendre un peu à peut-être 19h, voilà, 19h, 18h avant de faire ses retraits. N'attendez pas juste 21h, voilà. Donc pour regarder la vidéo, on vient sur RAT. Je vous reviens, c'est juste un exemple. Moi j'ai déjà regardé mes 5 vidéos, donc même s'ils regardent une vidéo encore, ils vont pas me donner quelque chose. C'est pour juste vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc après avoir cliqué sur Earning, on vient sur les vidéos. On clique sur la vidéo qu'on souhaite regarder. Voilà, on clique dessus. Voilà, on gagne, après avoir regardé la vidéo, on gagne 0,54$. Pour chaque vidéo qu'on regarde, voilà, c'est pas rien. Voilà, il y a le compte à rebours qui est lancé. Une fois que la vidéo commence à compter, une fois qu'on commence à regarder la vidéo, voilà, après avoir fini de regarder la vidéo, voici la petite fenêtre qui s'affiche. Voilà, la petite fenêtre de notes. Voilà, nous devons noter la qualité. La qualité, voilà, le storyline, et puis noter aussi. L'effet, le son, voilà, on doit noter aussi le son. Voilà, storyline, c'est le scénario. Ensuite, on clique sur mettre. Voilà, comme moi j'ai dit, j'ai déjà regardé mes 5 vidéos, donc ils vont plus me payer. C'est à partir de 21h, toutes les vidéos qui vont venir à partir de 21h, c'est là qu'ils vont me payer. Voilà, une fois que vous avez déjà regardé les vidéos, en temps normal, ça doit sortir en vert. Voilà, ça doit sortir en vert, mais moi, vous voyez, c'est sorti en orange. Voilà, on dit your average, your daily maximum paid. Voilà, vidéo impression. Donc c'est un peu ça quoi. Donc moi j'ai déjà regardé tout mais toutes mes vidéos. Voilà, donc ils vont plus me payer si c'est jusqu'à partir de 21h. Donc aujourd'hui à 21h, toutes les vidéos que vous allez regarder seront prises en compte. Pour savoir si vous n'avez pas de vidéo à regarder, vous venez ici. Vous voyez le cercle qui est là. Quand le cercle est violet comme ça, c'est que vous avez déjà regardé toutes vos vidéos. Mais quand le cercle est rose, voilà, c'est que vous avez des vidéos à regarder. Voilà, donc pour savoir ça, souvent voici ça. Le point rose indique 0. Ça veut dire qu'il a déjà regardé toutes mes vidéos. S'il y avait des vidéos, ce serait voilà, 5. Donc prenez toujours en compte le décalage horaire, le serveur. Maintenant, les vidéos que vous regardez, vous voyez, ça vient dans la partie en violet. Voilà, dans la case en violet ici, Earning Balance. Toutes les vidéos que vous regardez, ça vient ici. Donc moi, j'ai déjà regardé jusqu'à 32$. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire un retrait. Voilà, on vient sur mon argent. Après, on clique sur Withdraw. Voilà. Donc, c'est très simple. Il y a, pour tout le nouveau, il y a un petit paramètre à faire. Voilà, il faut mettre son adresse, son Perfect Money et son code PIN. Oui, c'est normal. Il faut mettre un code PIN. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous venez, le montant que vous voulez retirer, je suppose que ce sont mes 32$. Je clique sur Retirer le montant total. Une fois que je clique dessus, le montant ira de la balance vers mon compte Perfect Money. Donc ici dans la case où j'ai mis mes trucs, comment on appelle, mes coordonnées Perfect Money, souvent c'est vide. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur changement, vous allez paramétrer. Après, vous cliquez sur sauvegarder, vous paramétrez, vous mettez votre compte en U de Perfect Money, vous mettez sur sauvegarder. Voilà, une fois que c'est fait, vous retournez. Voilà, donc je vais vous montrer aussi comment paramétrer le code PIN. Voilà, le code PIN aussi, vous venez cliquer encore sur changement. Voilà, vous cliquez sur changement. Voilà, en bas, vous allez voir Current PIN. Voilà, vous cliquez dessus.
Voilà, current pin. Là, vous rentrez un code à 4 chiffres. Voilà, un code à 4 chiffres comme le code Orange Money, Move Money. Voilà, un code à 4 chiffres. Vous cliquez sur sauvegarde. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, vous avez droit maintenant à regarder vos vidéos, à faire vos retraits chaque mercredi. Voilà, c'est vous entrez vos détails de paiement, c'est-à-dire le code. L'adresse, le numéro de truc qu'on avait de Perfect Money, numéro de compte Perfect Money plus le code PIN, et vous cliquez sur se désister. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, vous avez déjà fini de faire votre retrait. Le retrait est très simple, facile, et ça se fait chaque mercredi, voilà, à 21h. Donc prenez en compte les 21, c'est les 21h à eux, c'est pas nos 21h. Donc prenez en compte l'heure du serveur. En Côte d'Ivoire, il y a un décalage de 3 heures. Donc abonnez-vous à ma chaîne, hein, et inscrivez-vous, très important.